Bienvenue à tous pour cette soirée exceptionnelle qui va faire évidemment du bien à tout le monde. Un moment de retrouvailles dans cette magnifique salle pénoise du Jastrod, tellement appréciable dans cette période de se retrouver tous ensemble ici depuis un an. Une soirée évidemment que l'on doit à la ville d'Épennes Mirabeau. Justement, monsieur le maire Michel Amiel, comment est née une telle idée, un tel show ? Bah écoute Christophe, tout simplement, c'est dans ces moments de morosité extrême due à la crise sanitaire que nous traversons, la volonté, tout simplement, de passer un moment de convivialité, de bonheur, de joie, un moment de musique avec le grand orchestre de Christophe Almeyras et tout ce qu'il sait faire depuis si longtemps. Et puis c'est aussi, il faut le dire, donner un coup de pouce au monde de la culture, au monde de l'animation, de la musique, du spectacle, parce que par les temps qui courent, c'est vraiment une profession sinistrée. Donc de la solidarité et de la joie. Justement, on a un des plus grands orchestres français ici sur la ville d'Épennes Mirabeau. Autant en profiter. Justement, Christophe Almeyras, comment on organise un show comme celui-là ? On appelle des copains, on leur demande de venir faire une soirée entre potes, faire un bœuf, comme on dit dans le jargon culturel. Comment ça se passe ? Alors, ça commence par le début. Monsieur Michel Amiel m'invite en mairie pour parler du projet. De là, avec son équipe, on essaye un peu de travailler sur le projet. C'est parti sur des invités locaux d'Épennes Mirabeau. Et finalement, j'ai envoyé quelques SMS, quelques messages à des potes. Et ils m'ont tous répondu présent parce que tout le monde avait vraiment envie de sortir de cette période morose. Voilà. Tout est fait avec le cœur et avec une grande envie. Et puis, tu as reçu des SMS et puis tu as reçu des vidéos. Et oui. Parce que ça fait quand même quelques temps que vous avez lancé Jean-Baptiste Guégan à ses débuts, qui est la voix de Johnny Hallyday. Vous l'avez accompagné pendant de nombreuses tournées. On a développé l'artiste à ses débuts. On l'a fait connaître au grand public et on l'a mené au plus haut pour qu'il puisse gagner l'émission de M6. Et après, bon... On a passé la main à d'autres. Mener et porter. Et bravo, parce que c'est sur l'Épennes Mirabeau que tout ça est né. Et l'orchestre, on l'a ici. DJ Long, vous êtes élu, tu es
élu à la ville des Pins de Mirabeau. Tu dois être fier ce soir de ce qui se passe ici. Oui, Christophe, très fier, évidemment, et ceci depuis le début de la crise sanitaire, car la ville fait tout son possible pour soutenir le milieu culturel, les acteurs culturels, en mettant notamment à disposition les équipements de la ville pour des résidences de création artistique. Si les salles de spectacle sont fermées au public, à l'intérieur, ça bouillonne de vie et se promet des très beaux spectacles sur la commune des Pins de Mirabeau dès que ça sera possible. Merci Didier, merci Christophe, merci Michel. Je sais qu'avec ton orchestre, vous avez préparé quelque chose d'exception. On vous a vu pour les répétitions. Mesdames et messieurs, on vous souhaite à toutes et à tous un excellent concert. On va faire l'appel à un ami. Alors, Cali, il y a un super spectacle ce soir au Jastrod. Viens m'aider pour le présenter au Cali. Ça va mon cher Christophe, tout va bien? Tu sais que j'étais en train de t'envoyer un SMS pour que tu viennes présenter le spectacle avec moi. Mais est-ce que tu penses que j'allais te laisser tout seul aujourd'hui? Non, mais enfin, impossible. Tu es monté au Jastrod en sprint. Oui, surtout avec le bus numéro 3. C'est cool. Il faut 5 minutes de la maison. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je suis très content d'être avec toi parce que je pense qu'on va passer une très, très belle soirée. On va passer une très, très belle soirée. Mais enfin, quand je parle de sprint, c'est parce qu'il faut quand même rappeler que tu es un garçon qui a gagné 2 grands chelems, 70 sélections en équipe de France de rugby. Il y a du niveau là, Kiki. Je pensais que tu allais monter au sprint. Quoi. Alors, pour te rassurer, tu sais, notre ami Christophe Almeras, il m'a dit « Cali, il me faut des premières lignes ce soir ». J'ai dit « Ça tombe bien, je viens avec grand plaisir ». En plus, il y a Christophe, tu vois. Il y aura plein de joueurs de rugby ce soir, mais je te donnerai après les noms, t'inquiète pas. C'est parfait. Mais bon, ce soir, moi, c'est du peignoir Christian Califano que j'ai besoin pour présenter le spectacle et pas du pilier de l'équipe de France. Ouais. Tiens, regarde. Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny Hallyday. Oui. C'est quelqu'un qui a été accompagné par l'orchestre Almeras Music Live à ses débuts. C'est énorme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Ben, on va écouter le message, on y va. Bonjour à tous, je voudrais souhaiter un très beau concert le 19 février au Pins de Mirabeau à mes amis de l'orchestre Almeras, ainsi qu'à tous leurs invités. À bientôt. Du coup, je vais te laisser présenter le premier artiste. Ah, tu m'as eu la pression d'entrer comme ça. Bah, écoute, moi, ça me fait très plaisir parce qu'on va le présenter. C'est notre ami Thibaut Giordano. Oui. Tu sais qu'il a fait un truc exceptionnel. Il est pénois. Déjà, c'était déjà c'est une très bonne chose. Et puis surtout, il a participé à la Nouvelle Star. Exactement. Ça, il faut être costaud dans sa tête, physiquement. En tout cas, nous, ça nous fait un plaisir de vous le présenter. Et puis, tu vas voir, il a un côté groovy que j'adore. On y va ? On y va ! When I look at you in your eyes, I see the something burn inside you, oh inside you, in your eyes, the light of nature smile, you try to, oh you try to, you always try to hide the pain, you always know just what you say. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh inside you, in your eyes, the light of life will live in to try to, oh you
see a something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always love is what you say. I love you looking everywhere. A blind in your eye. The light, the love, the living define you. Oh, define you. Toi qui es pénois, tu es ici sur tes terres dans une salle de concert mythique. Tu viens de passer sur scène. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Le plaisir et la joie de jouer avec un grand orchestre. Bah avant toute chose, je voudrais remercier la mairie des Pennes Mirabeau et remercier aussi Christophe et remercier toutes les équipes, tous les musiciens, toutes les personnes qui sont là, qu'on ne voit pas dans l'ombre, qui sont juste exceptionnelles. J'ai été super bien reçu depuis que je suis arrivé et franchement, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. C'est une joie pour un jeune homme, Christian. Ah, c'est une joie, mais surtout, c'est à nous de te dire merci, parce que reprendre The Weeknd, c'est pas facile. Et quand tu vois le niveau de la prestation, moi, je dis chapeau. Tu vois, c'est pour ça que j'aimerais qu'on essaie de chanter, mais peut-être enfin, pas de suite. Hein, non, on va leur laisser chacun son métier. Et toi, tu l'as fait à la perfection. Exactement. C'est gentil, merci. On te remercie, en tout cas, et on te souhaite aussi. Une belle suite. De même à vous aussi, une belle suite aussi. Merci. À bientôt, Thibaut. À bientôt, et bienvenue au Pen Mirabeau. Merci. Dis-moi, Christophe, tu connais Dua Lipa? Mais pardi, elle cartonne en ce moment. Eh ben, tu sais quoi, on va les retrouver tout de suite avec l'orchestre Almeras qui va interpréter un de ses tubes, Break My Heart. Allez, on y va! I've always been the word to say the first goodbye. I took love and lost 100 million times. I took any wrong to know just what I like. Now I'm falling. I say my name like I've never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels the love. I'm falling. Sailor of attention, you know you can get whatever you want from me. Whatever you want. Cause I was the way better alone. But when you said hello, I know the one at the end of it all. I should have stayed.
Christophe, ils sont quand même très très bons, hein, l'orchestre Almeras. Hein. Mais attends, ils sont des Pen Mirabeau, c'est du cru. Eh oui, c'est du lourd, on va c'est dire. C'est du lourd, effectivement. Mais j'ai une question pour toi. Tu as déjà casté pour The Voice? Mais bien sûr que non, mon cher Christophe, ouais, n'importe quoi. Ça m'étonne pas. Et toi? Non, moi non plus. Jamais? Non, c'est pas mon métier, je fais autre chose. Pour le coup, j'en connais un, moi, qui a fait The Voice, c'est un tueur. Il s'appelle Patrice Carmona, c'est un Marseillais et on va l'accueillir sur la scène dans quelques secondes. Ah, t'es en train de me dire que c'est ton collègue en plus, tu le sais. C'est en mon plus, pote. Il a écrit pour pas mal de chanteurs, Patrick Fiori et Julie Zenati. Mais c'est parce que c'est mon pote que je sais déjà tout ça. Tu as bien fait de le préciser. Mesdames et messieurs, Patrice Carmona. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment. Tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. L'envie de m'aimer.
Patrice Carmona, le Marseillais tel qu'on l'a présenté, qu'est-ce que tu peux nous dire à la sortie de la scène, au moment où c'est que tu viens de chanter de belles notes de musique, où tu as renoué avec la lumière, avec le son, avec l'orchestre? Ben, c'est tout simplement un bonheur, quoi. Il faut savoir que ça fait des mois que je suis privé de scène. Alors on a fait quelques événements, mais c'est très peu. D'ailleurs, j'ai une pensée pour tous les artistes, les non-essentiels, ceux qui ne peuvent pas exercer leur métier. Les intermittents, évidemment, tous les techniciens, chanteurs, machins, musiciens. Voilà, je pense à eux ce soir. Et puis oui, c'est un bonheur total. En plus, j'ai pu retrouver plein de copains et c'est formidable. Et puis la passerelle digitale aujourd'hui au travers d'un live comme on fait aujourd'hui, enfin, d'une émission enregistrée. Ceci dit, c'est une véritable aubaine. Christian ? Que dire de plus ? En tout cas, oui, encore une fois, bravo Patrice, parce que je me suis laissé transporter. Et c'est vrai que cette chanson, on a tous essayé de la chanter une fois dans sa vie. Je ne vais pas la chanter ce soir, rassure-toi, mon cher Christophe. Mais en tout cas, c'est beau et c'est, tu vois, si je devais l'interpréter, c'est comme un match de rugby ou un match de foot. Il faut être prêt pour la chanter, cette chanson. C'est ça, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais chantée de la même façon, parce que tu ne peux pas, tout simplement. Parce que quand je la chante, j'ai des émotions bizarres et systématiquement je ne la chante jamais pareil. Je me transporte en fait tout seul. Patrice, merci pour cette prestation vocale. On te souhaite le meilleur pour la suite dans des albums, dans des projets. Je pense que ça écrit, je pense que ça compose. Oui, il y a des choses qui arrivent au courant de l'année. Un projet qui me tient à cœur et où vous allez me voir un peu différemment de ce que je suis. Avec grand plaisir, on te retrouvera. Merci. Merci les amis. Merci Patrice. Merci beaucoup. Christian, un petit voyage au Canada, ça te branche ? Ça me plairait, mais en ce moment, c'est un peu compliqué, hein, mon cher Christophe. Tu as raison. On va pas se faire un grand voyage, mais par contre, on va se concentrer et le faire en musique. Tu viens avec moi, on prend la direction du Québec ? Allez, on y va. Allez, on y va. Pourquoi pas? Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, trop pour moi. Cool.
chez moi les fonds et se balancer les tornades de ciel. Les eaux de tour sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont à la porte et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour tes torrents de neige éternelle. J'appuie tous tes yeux brillants, où ton sang coule, tes bras me serrent. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le feu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en autant. Des caravanes et des bagages comme sur les débris. Christian, regarde un petit peu ce que Michael Jones nous a envoyé comme vidéo. Mais non, c'est énorme. Il y en a qui pensent à nous quand même. Hein. C'est top. Beau. C'est top. Bonsoir. Malheureusement, nous ne pouvons pas être parmi vous ce soir à cause des restrictions sanitaires. Mais j'ai une bonne nouvelle. Malgré ces heures sombres, le soleil va revenir. Sun, do-do-do-do, here comes the sun, I said, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been. Here comes the sun, do-do-do-do, here comes the sun, I said, it's all right. Little darling, I see the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been. Here comes the sun, do-do-do-do,
it's been near. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I said, it's all right. Quelle voix ! Tu sais quoi, on va rester aussi dans la performance vocale, mais en changeant de genre. L'opéra, ça te dit quelque chose ? L'opéra, le gâteau au chocolat ? Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Tu craques, mon cher Christophe. Je te parle de l'opéra des grandes voix, parce que là, on va accueillir un chanteur baryton basse, monsieur Cyril Rovery. Oui, Cyril Rovery, le Pénois. Oui, c'est ça. Allez, on va l'écouter, mais en plus, il est accompagné de la pianiste Olga Bodarenko. Allez, super, on y va ! Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, les tamburins peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils sont les combats. Le cirque est plein ces jours de fête, le cirque est plein, dit au tambour. Les spectateurs perdant la tête, les spectateurs s'interpellent en grand vainqueur. Apostrophe, glissez ta page, poussez jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, toréador, en garde, toréador, toréador. Et songez bien, oui, songeons combattants, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour, l'amour t'attend. On fait silence, ah que se passe-t-il? Plus de cris célestants, le taureau s'élance en bondissant hors du tauril. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule entraînant un picador. Après votre taureau, hurle la foule, le taureau va, il vient, et frappe un coin. Ce coin, ses bandes vives, plein de fureur, il coule, le cirque est plein de sang. On se sauve en franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons. Toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. L'amour, l'amour t'attend, toréador, toréador, l'amour
de trop. Merci Olga, merci Cyril. Quelle joie d'avoir de l'opéra intégré dans un concert dit intergénérationnel pour tout public. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Ce que je retiens là, de ce que vous venez de dire, c'est le terme tout public. Ça me plaît. Je pense que, surtout dans ces périodes de crise, plus que jamais, l'art doit être pluridisciplinaire dans sa présentation au public, dans le don de soi, voilà. Pour les producteurs, pour le public, pour les artistes, voilà. Évidemment, la restitution devant un public reste bien plus simple. Aujourd'hui, c'est dans une salle de concert, c'est sous forme digitale, c'est une première, j'imagine. Alors, non, pas exactement, pas pour nous, pas pour moi, parce que c'est vrai que toute la période de confinement étant à l'arrêt, comme tous les artistes, également les artistes lyriques dont je fais partie, il a fallu, je trouve, quelques subterfuges. Et les Facebook Live ont été très efficaces pour ça, donc c'est un exercice qu'on connaît très bien, Olga et moi, et on en a fait beaucoup, alors ça tombe bien. Justement, avant d'écouter Olga, on a l'actualité, on a quelque chose qui arrive là, il y a un projet qui se dessine. Ah, c'est plus qu'un projet, on vient de sortir fin janvier notre album Anges et démons à l'opéra. Alors c'est une thématique haute en couleur, parce que ce sont tous les personnages diabolique ou également tous les personnages de Dieu qu'on voit à l'opéra, le pendant entre le bien et le mal, parce qu'il n'y a pas que des histoires d'amour, il y a aussi des diables, des méchants, tout ça. Enfin voilà, l'opéra c'est comme dans les films, c'est la même chose. Christian, oui. Olga, une pianiste d'exception. Oui, parfaitement, c'est incroyable, une belle performance, en tout cas un joli duo. Et moi je voudrais avoir un peu plus de détails, comment on construit cette relation justement? La relation, elle s'est construite de manière assez hasardeuse. J'ai entendu il y a 4 ans déjà Cyril en concert au Conservatoire de Marseille. Et depuis, on a gardé contact. Et en l'entendant faire tous ces lives Facebook, je me suis dit quand même, c'est une voix magique, sublime, c'est un personnage. Et je me suis vraiment dit que j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Et c'est là qu'il m'a contactée en me disant « Olga, il faut qu'on travaille ensemble, je t'envoie les partitions. » Et on se voit dès qu'on est... C'était le premier confinement en mars. Et il m'a dit « Je t'envoie les partitions et on s'envoie dès qu'on est déconfiné. » Et c'est ce qui s'est passé. Et nous voilà ici. En tout cas, bravo, parce que c'est une très belle performance. Et j'aime bien dans vos propos dire « On parle de ange et démon. » Le démon, il est là aujourd'hui, justement. Oui. C'est ça. Il va falloir vous distribuer les rôles. Et oui, je vais prendre le côté ange, c'est plus sympa. Ça, il fait plaisir de dire tout ça. Cyril, en tant que pénois, en tout cas, c'était une joie de vous avoir aujourd'hui dans cette salle de concert qui est le Jazz Rod. On va vous remercier. De jeunesse aussi, les Peines Mirabeau, la salle Tinero, c'est plein d'endroits. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Je vous remercie la municipalité, je vous remercie tous. On vous remercie. On va vous remercier à tous les deux et on va vous souhaiter bonne chance et bon courage pour la suite. Merci à vous deux. Merci. Dis-moi Christophe, tout à l'heure, il m'a semblé que tu as bien kiffé hein, Dua Lipa. Ah, c'était un plaisir. On remet ça ? On remet ça, on y va. Allez, ça part de là. Feeling in our energy, our sense running in the dark.
what you pass up. And I'm feeling so electric, that's my ass up. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah. My love is like a waka watch blast up. And I'm feeling so electric, that's my ass up. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah. You want me, I want you, baby. I'll shake it through. I'm meditating, the make a way. We want to get it, sunlight, I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. We can fly away with me tonight. We can fly away with me tonight. Baby, let me take it for a ride. Yeah. We can fly away with me tonight. We can fly away with me tonight. Baby, let me take it for a ride. Come on, dance with me. I'm ready for you. Moonlight, you're my sunlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm ready for you. Quelle bouffée d'oxygène, ça fait vraiment du bien cette soirée. Et en plus, c'est pas fini, mon cher Christophe. Une petite question, Christian. Est-ce que tu te rappelles en 2005 qui a gagné la Nouvelle Star? Eh, pardi, je m'en souviens de qui a gagné. C'est Myriam, mesdames et messieurs, Myriam Abel. Et pour la petite histoire, ça m'a coûté 40 balles de vote pour l'aider à gagner. Mais t'as bon. T'as fait exploser le standard téléphonique? Mais je le regrette pas. Et on va avoir le plaisir et la chance de la voir et de l'entendre chanter ce soir. Ben, ici. C'est bien, en plus c'est normal, t'as vu la voix qu'elle a? Allez, on y va. Myriam Abel. Je cours, je me raccroche à la vie, je me
souffle avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Myriam, tu sors de scène. Un titre de Daniel Balavoine, Tous les cris des SOS, que tu as repensé, rechanté, reconsidéré. C'était magnifique. Tu as été dans la lumière une nouvelle fois dans une période qui est compliquée. Tu as perçu la musique. Tu peux nous dire, toi, comment tu l'as vécu ? J'ai kiffé, comme on dit. Franchement, c'était un plaisir, mais d'un coup, la rentrée dans cette salle, voir toute la scène, les musiciens, les lumières, ça fait tellement de bien parce que franchement, cette période, elle est compliquée. Il y en a marre de faire des lives sur les réseaux, de chanter en live. Mais là, c'est vraiment, on est sur scène, on est accompagné par les musiciens. C'était magique. Et puis, on s'est donné un petit mot d'ordre aussi, c'est que finalement, tout le monde est en train d'applaudir à la fin de chaque morceau. On s'est aperçu, Christian, que spontanément, tout le monde a envie d'applaudir parce que ça nous apporte des bonnes vibrations et des bonnes ondes. Ouais. Donc, tu l'as perçu et c'est une bonne chose. Je crois qu'on doit peut-être parler d'actualité. Oui, d'actualité, mais surtout rappeler, moi, ce qui m'a plu dans ce moment d'échange qu'on a eu tous ensemble, c'est cette relation que tu as aussi avec l'orchestre Almeras. Ça fait longtemps que vous vous connaissez en plus. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et en fait, moi, j'ai débuté jeune dans les orchestres et voilà, je viens de l'orchestre. J'ai grandi dans les orchestres, les bals, et j'ai appris mon métier dans les orchestres. Et je suis du Sud, je viens du Sud. Je suis partie sur Paris 20 ans, mais je suis revenue vivre dans le Sud. Et c'est magique de revivre ces instants-là chez nous, dans le Sud, avec des voix de folie. Donc, c'était vraiment top de nous faire vivre ce moment. Clairement, Myriam, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ? Je crois que tout le monde va dire la même chose, remonter sur scène. On n'en peut plus. Vivre à nouveau. Ah ouais, remonter sur scène, partager, être sur scène avec les copains, chanter, faire des duos, faire de la scène, du live, quoi. On va te remercier vivement et chaleureusement pour cette venue, pour cette chanson, Christian. Myriam, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous, merci beaucoup. Et une belle suite et une bonne continuation. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Christophe, regarde ton téléphone. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Un message de Julie Pietri. Coucou les Pen Mirabeau. Bon, ce soir, je ne serai pas là avec vous pour l'émission, mais en tout cas, je pense bien à vous parce que j'ai un super souvenir de l'été dernier. Ben oui, on a pu faire ça ensemble, ce live, grâce à Christophe Almeras, Music Live. Et moi, je recommence quand vous voulez parce que les gestes barrières ont été respectés. Il n'y a pas eu de cluster, on était super heureux. On recommence quand vous voulez, mais je vous embrasse très, très, très fort. À très vite. Ciao, ciao. Un gros bisou à Christophe. Cali, ça te dirait un peu de soul musique ? Volontiers, mon cher Christophe, parce qu'en plus, j'adore ça. Eh bien,
un medley de Soulou Music nous attend là dans quelques minutes. C'est pas mal en anglais. Je suis sûr que les chanteuses du groupe Almeras ont un meilleur accent que toi. On va ça, voir. Ça, c'est pas dur. On va les écouter. Allez, on y va. Cause I'm dumb funk, don't give it to ya.
Allez, c'est l'instant humour. Cali, t'aurais une bonne blague à me raconter ? Une petite blague là, vite fait ? Rapide. Non, malheureusement, je suis très très nul pour ça. Mais tu sais quoi, on va laisser la place à un pro, à Jo, parce que c'est le roi des blagues. Et en plus, tu sais, sur les réseaux sociaux, il cartonne, mais grave. Allez, on y va, c'est les blagues à Jo. Allez, c'est parti pour ces petites blagues. C'est un petit vieux de 92 ans qui va voir le docteur avec sa fiancée de 19 ans. Et quand il rentre, il dit au docteur, « Docteur, je me vois parce que ma fiancée est enceinte, elle a 2 mois. » Le docteur dit, « Attendez, attendez, monsieur, vous avez quel âge ?» Il dit, « 92 ans. » Il dit, « Votre fiancée, 19 ans. » Il dit, « Elle est enceinte de vous ?» Il dit, « Oui. » Il dit, « Je vais vous raconter une anecdote, monsieur. Un jour, avec mes amis, on va à la chasse au sanglier. Je pars de la maison, je suis à la bourre, je me trompe. Au lieu de prendre le fusil, je prends mon parapluie. Quand on arrive là-bas, le sanglier passe, bang, je tire, le parapluie s'ouvre, le sanglier, il est mort. Le vieux, le roi, il dit, « Attendez, monsieur, c'est pas pareil, là. Ça, c'est quelqu'un qui a tiré un coup avant vous. » Le docteur, ben, voilà où je voulais en venir, monsieur. C'est ça, c'est exactement ça. Ensuite, c'était un Chinois qui va dans un grand magasin. Le vendeur vient le voir. Il dit, monsieur, le Chinois, il dit, c'est pour acheter un jean. Le vendeur, il le regarde, il fait 38-40, mettez-vous dans la cabine d'essayage, je vous mène le jean. Il se met dans la cabine d'essayage, prend le jean, un 40, il accroche, il s'en va le vendeur, il va s'occuper des clients, il revient 2 minutes après. Il dit, alors ? Et le Chinois, il dit, trop petit. C'est pas grave, monsieur. Il enlève le 40, il s'en va, il accroche un 42. Il revient 2 minutes après, il dit alors. Le Chinois, il dit trop petit. Il dit, c'est pas possible. Il décroche le 42, il accroche un 44. Il dit, ça va, monsieur ? Trop petit. Il dit, quand même, que je me trompe d'une taille, ça va. Mais là, il dit, le vendeur, quand même. Il décroche, il accroche un 52. Il lui dit, et là ? Et le Chinois, il dit, trop petit. Et le mec, il ouvre le rideau. Il dit, comment trop petit ? Le Chinois, il dit, oui, trop petit. Et ça se passe dans un village. Dans ce village, il y a un petit bar. Il y a 11 nains assis d'un côté, 11 nains assis de l'autre. Le patron de bar, il dit, écoutez, moi, je n'ai pas d'argent. Je vais vous acheter 11 chasubles jaunes, 11 chasubles rouges.
Vous vous changez dans la cuisine et vous allez jouer en face sur le City Stade. Ouais, ça va, c'est bien, c'est bien. Mais au comptoir, il y a un mec, il a un pégé mortel. Il bouge comme ça, il ne tient plus. Il regarde, il voit passer deux nains en rouge, un nain en jaune. Il dit, ouf, il voit le patron, il dit, patron, servez-moi un whisky, s'il vous plaît. Prend le whisky, il se tourne, il voit passer deux en rouge, deux en jaune. Il dit, oula, patron, servez-moi un whisky, s'il vous plaît. Il boit le whisky, il se tourne, il voit passer trois en rouge, trois en jaune. Il dit, patron, viens, je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, hein, mais tu as tous les joueurs du baby-foot, ils partent. Et on va finir avec les courtes. Apparemment, les courtes, c'est les meilleures, les blagues. C'est une blonde qui écrase un flic. Elle roule, elle écrase le flic. Elle dit, mon Dieu, j'ai écrasé un flic. Ah, je vais appeler la police. Elle appelle le 17. Elle dit, allô, le 17 ? La femme en face dit, oui. Il dit, ben, vous êtes plus que 16. Et la dernière, donc, c'est un gars qui marche. Et sur l'arbre, il voit son ami. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais sur l'arbre ? Son collègue dit, je mange des figues. Il dit, tu manges des figues ? Tu ne veux pas me prendre une foutre, tu es sur un eucalyptus. Ah, dit, frère, j'ai acheté des figues et je ne peux pas les manger où je veux, alors quoi ? Salut. Jo, tu sors de scène, tu as fait rire un public derrière son écran. Bon, nous, on était pliés de rire. J'entendais l'équipe technique être mort de rire, mais tu fais rire depuis petit. Mais depuis quand tu as fait le choix de faire rire tout le monde ? En fait, oui, depuis petit, je fais rire tout le monde. Dans les mariages, dans les fêtes, c'était moi, j'avais le micro. Et là, quand tu as eu ce Covid, là, j'ai ma nièce en Corse qui m'a dit « Jo, je pense que c'est le moment de faire profiter tout le monde. Fais-moi profiter tout le monde. » J'ai dit « Allez, vas-y, ça va. » Et j'ai attaqué. Et puis après, j'ai tellement eu de beaux commentaires, des gens qui... Pff, c'était magnifique. Ah, donc, je ne peux pas arrêter, je suis obligé de continuer. Alors, d'un naturel à de la méthode, puisque du coup, tous les jours, tu dois peut-être penser à dire « Bon, mais ça, peut-être je peux le sortir, ça, peut-être je peux le glisser, ça... » Comment on devient un nouvel humoriste, finalement ? Ça, il y a des trucs, malheureusement, des fois, il y a des blagues qu'on ne peut pas raconter non plus. Mais bon, je me suis mis dans ma voiture, je vais rester dans ma voiture tous les jours. Et bon, après, c'est énorme, hein, ça a pris des proportions énormes dans la rue, les gens qui me disent les blagues de Jo, ça fait drôle. Christian, c'est un autodidacte, mais c'est top, non, mais ça. C'est énorme ce qu'il fait, Jo, parce qu'en fait, il voulait tirer un gong, coup de chapeau, parce que, tu sais, nous, on a l'habitude de faire des conneries, c'est dans le sport, on est comme ça, dans le vestiaire, on fait rire. Mais d'être comme ça, tu sais, très pointilleux, d'écrire à chaque fois, et puis d'être aujourd'hui une star des réseaux sociaux, ça... Non, mais il faut le dire, ça a décuplé, ça a fait découvrir aussi le personnage. Et encore une fois, bravo pour ce que tu fais, Jo. Merci beaucoup. C'est super, vive l'humour et continue. Et nous te souhaitons une bonne continuation. C'est très gentil. Merci, Jo. Merci beaucoup. Christophe, tu te rappelles du film Bodyguard ? Mais bien sûr, c'est un film exceptionnel. Oui, avec Whitney Houston. Ouais. Et du coup, tu veux le chanter ? Non, je peux pas. Je peux le chanter, c'est impossible. Mais tu sais quoi ? On va l'écouter, c'est mieux. On va l'écouter, c'est mieux. I don't wanna have to go where you
Christophe, ça envoie ce soir. Et je te dis, c'est pas fini. Mais par contre, si je te dis, Sardou, Fiori, Garou... Quoi ? Me dis pas qu'ils sont là. Eh non, calme-toi. Par contre, il y a un lien entre tous ces artistes. C'est un auteur-compositeur, c'est monsieur... Jacques Vénérouzeau. Eh ben, tu sais quoi ? Il nous fait l'honneur et le privilège d'être avec nous ce soir pour interpréter un de ses plus grands tubes qui est... Sous le vent. Jacques, tu sors de scène. Voilà bien la légèreté que tu as pu nous apporter avec l'orchestre Almeras Music Live. Sous le vent, voilà pourquoi je parle de légèreté. Voilà des notes qui se transportent dans le temps. Déjà, merci. Et quel plaisir pour toi d'avoir pu rechanter aujourd'hui alors que ce contexte-là est compliqué. Merci de cette amitié. Et qu'est-ce que ça a pu te procurer en étant avec nous aujourd'hui ? Merci, et merci à l'orchestre Almeras. Et vraiment, oui, ça fait du bien parce qu'en ce moment, bon, on a la moitié de notre, au moins la moitié de notre raison de vivre qui est bloquée parce que bon, ne pas chanter, ne pas jouer, ne pas mixer, ne pas faire, enfin, tous les métiers du spectacle sont à l'arrêt. Et se retrouver comme ça, moi, franchement, ça, quand je suis rentré,
me retrouver au milieu de musiciens, ça, vraiment, ça m'a fait une sensation. Cette période permet de se rendre compte de quand on a tout, enfin, la liberté, enfin, comme ça manque très très vite de se retrouver avec des musiciens. Moi, je fais ça toute ma vie, mais ça faisait tellement longtemps, un an, plus d'un an même. Et là, se retrouver au milieu et puis voilà, chanter et puis partager des choses, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. On vous voit tous les artistes absorber ces bonnes vibrations. C'est vrai qu'il y a du son, il y a de la lumière, il y a de la musique. Il y a des techniciens, il y a les hommes de l'ombre également à qui on pense. Christian, tu voulais rajouter un petit quelque chose pour Jacques? Oh oui, un petit mot pour Jacques. Moi, le dire encore une fois, merci beaucoup de nous avoir transportés aujourd'hui. C'était fabuleux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la captation que vous avez amenée sur scène aussi. Et quand on le voit avec tous les gens avec qui vous travaillez, hein, avec qui vous avez travaillé, Garou, Pagny et Céline Dion. Et j'ai vu même la jeune chanteuse être à votre niveau et puis la portée. Je trouve ça magnifique. Je vous trouve vraiment bon. Je peux pas vous noter. Je suis pas là pour donner des notes. Mais merci pour ce que vous avez fait parce que vous avez transporté toute la scène. Et ça, c'est vraiment merci. Très, très beau ce que vous avez fait ce soir. Merci. Ça me touche beaucoup. Mais c'est un plaisir de chanter en plus. Super chanteuse, un super orchestre, vraiment. Moi, si je peux faire ça tous les jours, je le fais. Hein, c'est pas... Eh bien, on va se donner rendez-vous demain, après-demain et le week-end prochain. Je viens de recevoir un message. On a des artistes en parallèle qui nous envoient de belles petites vidéos, ceux et celles qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, donc qui nous font l'honneur et de nous envoyer une petite pensée. Jacques, merci. On vous souhaite une bonne suite. Peut-être que votre écriture va continuer, elle perdure déjà dans le temps, mais peut-être qu'il y a peut-être... en sous-marin, quelques petits trucs, quelques petits projets. Allez, non, mais j'arrête jamais d'écrire. Après, bon, il y a des périodes qui sont, on va dire, où j'ai des projets qui m'intéressent, d'autres moins, mais j'arrête jamais d'écrire. Ça fait partie de ma vie, quoi. J'écris, voilà, c'est vraiment un besoin vital. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Parce que quand on écrit ou qu'on compose, on est toujours seul. C'est un travail solitaire. Mais après, très vite, il faut partager. Et en ce moment, c'est ce qu'on peut pas faire, partager, à part sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas l'idéal. La mairie des Pins Mirabeau nous a donné cette opportunité, l'orchestre Almeiras Music Live aussi. Merci de votre venue. À la suite. À la suite. Merci Jacques. Merci à vous. Merci. Christophe, c'est quoi? Je vibre. Oui. Pour qui? Pour moi? Non, pour le téléphone. Regarde. Je crois que j'ai reçu un message moi aussi. C'est. Ah. C'est. Ouais. François Valéry, on l'a eu en concert ici au Pins Mirabeau. On regarde. Allez, on y va. Bonsoir les Pins Mirabeau, j'espère que vous allez bien. Je ne peux pas être avec vous ce soir, mais je suis là avec le cœur, avec la pensée. Je transmets mes amitiés à mon ami Christophe Almeiras. Je garde un souvenir magnifique de mon concert d'il y a 2 ans et j'espère revenir faire un autre concert au Pins Mirabeau bientôt. Je vous embrasse tous et bonne soirée. Christian, tu sais quelque chose que j'adorerais, c'est que l'orchestre reprenne un morceau du King of Pop. Qui, Michael Jackson? De Michael Jackson. Au Jazz Road? On leur demande? Ouais, ça serait pas mal, on y va? Allez, on y va. You know now.
Bien, Christian, si maintenant je te dis Jimi Hendrix, si je te dis Django Reinhardt, ça te fait penser à quoi ? Immense guitariste, mon cher Christophe. Eh bien, ce sont ces deux guitaristes qui ont influencé le guitariste Christian Bon. Encore un Pénois, je parie. Encore un Pénois, c'est un monsieur qui a longtemps donné des cours à l'école de musique des Pins Mirabeau. Et ce soir, il est en compagnie du bassiste marseillais Charlie Thomas. Allez, c'est parti, monsieur Christian Bon. Bon, on a deux Christian sur scène et en commun que le prénom, mais effectivement. Oui, malheureusement, que le prénom, comme tu dis, mon cher Christophe. Mais j'aimerais bien, hein, j'aurais aimé jouer de la guitare, parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de sportifs qui essayent, qui jouent aussi de la guitare, mais quand on voit ce monsieur, comment il joue, c'est que du plaisir et du bonheur. C'est sans... Pardon. Mais la musique, c'est parfois sportif. C'est vrai, c'est vrai. C'est sans doute quelqu'un qui aura de la pédagogie, Christian. Tu as officié pendant des années sur la ville des Pins Mirabeau à l'école de musique à Jean Giono. C'est ça. Ouais. Et puis ce soir, tu es venu avec une composition personnelle. Voilà. Que peux-tu nous dire sur ces deux volets ? Oui, j'ai commencé en 82 ici à enseigner à l'école de musique. Donc ça fait quand même un moment. Voilà. Alors la composition qu'on a jouée là, c'est en fait ce qu'on appelle une paraphrase. Rapidement, quand un thème de jazz est très connu, on a l'habitude, les musiciens de jazz, d'en écrire un autre qui utilise un peu le même style que ce thème-là, et on fabrique notre propre thème à partir de ce thème-là. Voilà. Ça se fait assez régulièrement, beaucoup de musiciens de jazz ont fait ça. Donc ce blues s'appelle le blues de la gazelle,
et il est inspiré d'un blues de Charlie Parker, qui était un saxophoniste américain, qui s'appelle Billy's Bounds. Voilà. Niveau actualité, qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux? Alors, en ce moment, on fait beaucoup de travail individuel, hein, évidemment. On essaye de chercher des nouvelles choses. Et puis, moi, j'ai plusieurs projets de groupe. Donc, un groupe de musique brésilienne avec une chanteuse. Et puis, un autre projet que j'ai depuis longtemps et que j'espère mener à bien, c'est un espèce de poème musical, on va dire. Voilà, parce que comme j'écris des choses aussi, je voudrais mettre en musique des textes que j'ai écrits. Donc là, ça a déjà bien avancé. Et je prévois un disque dont je ferai aussi des illustrations, d'ailleurs. Eh bien, on va vous souhaiter bon courage, bonne chance. Merci, Christian. Merci à vous. D'avoir merci répondu beaucoup. Présent. Bonne suite. Ben oui, bonne suite. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Christophe, tu sais quoi? Tout de suite, on retrouve l'orchestre Almeiras. Et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Alors, écoute bien, en anglais en plus. Hein. Dance Monkey de Tony Nice. Ça, ça va donner. On y va. I say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. You know I beg to see you dance just one more time. Un peu de rock maintenant, ça te dirait? Mais bien sûr. Si je te dis Oasis, tu me réponds quoi? Je te réponds Wonderwall des frères Gallagher. Ah ben écoute, c'est quoi? On va retrouver les musiciens qui assurent au niveau de la reprise du groupe Oasis. Et c'est les Marseillais du groupe Osiris. Osiris. Et il paraît qu'à la basse, il y a un gars qui est doué forcément avec ses mains, mais qui est doué de ses pieds aussi, c'est Eric Dimeco. On va les voir? On va les voir. C'est parti pour du rock.
you wanna say. But before tomorrow, if my friends ever take you home, sit in a corner all alone. It lives under a waterfall. Nobody can see him, nobody can ever hear him. Nobody can ever hear him call. You need to be yourself. You can be no one else. She's into rocket seltzer. She's sniffing through a cane on a supersonic train, and she makes me laugh. I got a lot of laugh. She done it with a doctor on a helicopter. She's never had a tissue, selling the big issue. When she finds out, no one's gonna tell you what I'm on about. You need to find a way for what you wanna say. But before tomorrow, if my friend said he'd take you home, sit in a corner all alone. He lives under a waterfall. Nobody can see him, nobody can ever hear him at all. Nobody can ever hear him at all. Du rock avec un certain Eric Dimico. Alors comment on se pose la question, comment on passe des pieds aux mains, puisque tu es bassiste dans ce groupe de rock, Eric? Ouais, exactement, bassiste amateur, hein. C'est un groupe de potes d'abord, et ensuite tout naturellement une passion pour le rock. Je me suis mis à la basse, je joue encore au foot. Et puis j'ai monté un groupe à la fin de ma carrière pour m'amuser. Et puis là récemment, on est reparti dans une nouvelle aventure avec des copains et on est parti sur une tribute et un hommage au groupe Oasis, parce qu'on aime ça et parce qu'on a envie de s'éclater sur scène entre potes. Et puis les potes, c'est quand même Alain Battaglia, qui est musicien depuis des années, depuis toujours, peut-être depuis enfant. Oui, j'ai toujours fait que ça, effectivement. Et le groupe, maintenant, ça fait un an et demi. On s'était rencontré avec Eric parce que suite à un concert de Eric à l'Olympia, où c'est qu'il a joué pour une association et où j'étais là, sorti de scène, il me dit « Allez, il faut qu'on remonte un groupe ». Et de là est né le groupe Osiris avec des copains que je connaissais. Et puis de là, notre histoire a commencé et on s'éclate bien. Voilà, c'est une tribute, comme a dit Eric, une tribute Oasis. On parle bien, ça, dans le micro. On refait les chansons d'Oasis et voilà, et puis on est là.
et on attend certainement de remonter sur scène dès qu'on le pourra. En tout cas, on a essayé de vous donner une belle atmosphère aujourd'hui, de la lumière, du son. Voilà, c'était génial, quoi. Je crois que tous les artistes qui sont venus aujourd'hui se sont éclatés parce que d'abord, ça nous manque. On a tous envie de remonter sur scène, on a tous envie de faire de la musique devant des gens. Et merci d'ailleurs pour cette initiative. Hein. J'avoue qu'on a été très très heureux de venir ici aujourd'hui. Voilà, déjà, on a rencontré des potes qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, remonter sur scène, refaire de la musique et surtout montrer que... Ben que il faut que ça reprenne vite parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en difficulté, qui ont besoin de jouer parce que c'est leur métier et que c'est pas évident pour eux. Et donc je le répète, merci pour cette initiative, merci à la mairie des Peines Mirabeau parce que ça fait du bien de passer à autre chose qu'à la maladie. Tout à fait. Christian, peut-être quelque chose à rajouter? Non, un petit mot. Félicite encore une fois Alain, parce que c'est bien aussi d'accueillir un ancien sportif de haut niveau. Moi, ça me fait plaisir. Puis de le voir jouer. Moi, je le vois, il se dépense. C'est vraiment très, très agréable à écouter. Mais j'aimerais que tu mettes quelqu'un au défi, mon cher Eric. Que tu prennes un peu Vincent Moscato. Que tu me le fasses jouer un petit peu. Alors, c'est possible, écoute, ou pas? Alors, il a fait une expérience de chanteur qui n'a pas été concluante. Et d'ailleurs, c'est le dossier. C'est le gros dossier. C'est le gros dossier. Dès qu'on peut le passer à la radio, on le passe parce que, ouais, terrible. Mais bon, il est multicarte, Vincent. C'est vrai. C'est vrai. Très, très. Il est moyen en tout. Il y a des mecs qui sont bons en tout. Il est léné. Voilà. Pour conclure, messieurs, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe Osiris dans les mois qui arrivent? Qu'on reprenne les concerts le plus vite possible et qu'on joue un peu partout. Je voudrais quand même aussi remercier mon pote Christophe Almeras qui nous a contactés et nous a mis dans la programmation, ainsi que la mairie des Peines Mirabeau, parce que c'est une très belle initiative. Et nous, les artistes, on en a besoin. Même si c'est une goutte d'eau, je pense qu'il fallait le faire. Et nous, on est heureux d'être là avec les copains, tout ça. Et la suite, c'est... Ben, on verra bien ce qu'il en est de ce fameux Covid qui va s'arrêter et qu'on va reprendre les concerts, j'espère en tout cas. Monsieur Alain Battaglia, merci. Merci à vous. Monsieur Eric Dimeco, merci. Merci à vous. On vous souhaite une bonne suite, messieurs. Ouais, avec grand plaisir. Merci en tout cas. Merci à vous aussi. Christian, tu sais qu'on a d'autres messages. Encore un ? On en a un dernier. Et il vient de qui ? Et c'est un gars qui a comme meilleur ami sa guitare. Non, c'est monsieur ? Guitare sèche, monsieur El Chato. Bonsoir les Peines Mirabeau, je suis désolé, je pourrais pas être avec vous ce soir là, mais je vous embrasse à tous, bien fort. Et j'embrasse aussi Christophe Almeras qui s'est occupé de cette super belle soirée. Je suis en clip vidéo, je suis en train de tourner un clip et vous savez qu'avec le Covid c'est très dur, donc je fais ça sous 3 jours, sous 4 jours. Et j'espère vous voir très bientôt chez vous, Peines Mirabeau, pour un gros spectacle. Merci, je vous embrasse à tous, au revoir. Christian, Footloose, ça te parle ? Et oui, ça me parle. J'étais ado et puis en plus, ça me rappelle des trucs. C'était un film, tiens, de Kevin Bacon. Et j'avais même le 33 tours, hein, je m'en souviens. Je m'en souviens aussi. Eh bien, on va se régaler, tu vas te régaler, on va les écouter.
Christian, cette super soirée touche à sa fin. Mais non, déjà ? C'est juste que le temps passe trop vite lorsque on refait la fête, quand on s'amuse, ça passe trop vite en fait. Ouais, c'est dommage parce que quand tu parles de fête, le prochain artiste qui arrive va faire monter la température et ça tombe bien, c'est monsieur Gérard Ferrer, le gitan marseillais. Vamos, Gérard. Comme Rémi Espagnol, je suis marseillais. Et j'ai gardé l'accent d'où je suis né. Je suis gitan et je fais les mêmes prières à la Vierge Noire ou à la Bonne Mère. Je n'ai jamais oublié les quartiers nord, où j'ai bien sûr des tas d'amis encore. Sur le port autonome, mon père travaillait. Il était docker, content de Marseillais. Je suis un gitan de Marseille. La ville où mes parents sont nés, il y a les gitans de Provence. Dans la crèche des Santonniers, nous sommes les gitans. Les gitans marseillais. Je suis un gitan de Marseille. La ville où mes parents sont nés, il y a les gitans de Provence. Dans la crèche des Santonniers, nous sommes les gitans. Les gitans marseillais. Elle est ma vie, mon passé, mon présent, mes jours, mes nuits, fidèle à chaque instant. Elle sait si bien harmoniser mes joies, mes peines et mes pensées. J'ai eu la chance d'en faire mon métier. C'est ma passion, ma façon d'exister. Et je me sens tellement plus fort quand elle sonne sur mes accords. Je veux chanter amor, amor, amor. Je veux jouer amor, amor, amor. Ou faire danser amor, amor, amor. Ready!
Ferrer, le gitan marseillais, quelle joie de t'avoir avec nous. Tu sors de scène, tu as pu t'exprimer, tu as fait un super medley. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu as renoué avec le son, la lumière, avec plein de choses qui étaient géniales. C'est un rêve. On n'imagine pas comment, depuis un an, on ne fait plus rien. Et là, du jour au lendemain, voilà, on reprend le public, la fête, ouais. La sono, etc. Et puis c'est notre vie, quoi. En fin de compte, on est fait pour ça. Et puis les techniciens, les câbles, voilà, c'est la famille. C'est tout ça, c'est une grande famille. Exactement. C'est l'atmosphère, c'est le concert qu'on a essayé de faire émerger en fait aujourd'hui. Je crois qu'on doit parler d'actualité, Christian. D'actualité, mais encore une fois, bravo, hein, genre, parce que j'adore la musique gitane. Ça ne s'arrête jamais, hein, justement. On nous le dit, on commence et puis ça ne s'arrête jamais. Dans quoi. Les loges. Exactement, on le verra tout à l'heure. Gérard, ton actualité aujourd'hui? Bien, mon actualité, eh bien, je profite un peu de ce temps, entre guillemets, de repos pour composer donc, un album qui est prévu d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, à diffuser au niveau régional, au niveau national. Ça sera au niveau national, peut-être international. Un calendrier pour des concerts, pour des dates? Alors, malheureusement, les concerts ont été tous annulés. Et là, je viens d'avoir quelques contacts, justement, pour renouer. Il y a quelques dates qui rentrent, et au fur et à mesure, mais les gens sont prudents parce qu'on ne sait pas où on va. Très bien. En tout cas, rassure-toi, Gérard, on viendra avec Christophe, et promis. Ah, vous serez mes invités, ça vous fera énormément plaisir. On ira avec beaucoup, des guitares, Gérard. On fera semblant. Non, on laisse ça aux spécialistes. Chacun son truc. Voilà, exactement. Merci Gérard, une bonne suite et une bonne continuation. Un grand merci. Merci Gérard, merci beaucoup. Et bien voilà mon cher Christophe, les meilleures choses ont une fin, malheureusement. Christian, quelle soirée, quel moment d'exception que nous venons de passer. Ça a été juste génial, de la lumière, de la musique, du chant et des bonnes ondes, quoi. Ouais, des bonnes ondes. Encore une fois, un grand merci, hein, bien sûr, aux artistes, aux techniciens David Almeras et à toute l'équipe de techniciens. On ne va pas oublier aussi les maquilleuses qui ont fait un super boulot, la preuve en est. Encore une fois, un grand merci à Jacques Azoulay, à la réalisation et puis à Maritima TV, notre partenaire. Elles ont fait du bon travail sur toi aussi, Christian, les maquilleuses. Et moi, je voudrais également remercier la ville d'Épennes Mirabeau, sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Merci d'avoir impulsé ce beau concert. Allez, il faut se quitter. On va se quitter encore une fois en musique avec le groupe Almeras. En tout cas, c'était un plaisir, mon cher Christophe, de co-animer cette émission avec toi. On se retrouvera bientôt, je suis sûr. J'ai pris grand plaisir à être à tes côtés. J'ai été ton talonneur ou ton pilier. Ceci dit, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire à ceux et celles qui êtes derrière l'écran, prenez soin de vous.